Hier soir, je vous ai parlé des deux conditions qu'il faut remplir pour pouvoir rentrer dans la gloire. Puisque l'Éternel nous dit, c'est Jésus le chemin de la gloire. Alors, hier soir, je pose cette base pour dire, pour rentrer dans cette gloire, il faut remplir ces deux conditions. Quelles sont ces deux conditions que j'ai données hier soir, vous qui étiez là hier soir? Accepter Jésus. Et puis, transformer. Ah, regardez, manquez briller ça, oui. Mener cadeau à vous, et puis, libérer un peu, non? Mais pour nous faire en public, eh bien, après, mettre en public. Applaudissez, applaudissez, moi-même fais ça. Évangéliste Junior, année dernière, m'a béni, bon Dieu béni, on l'a connu à aller ça. Ah, c'est le fils, si je me trompe pas, c'est le fils du pasteur, n'est-ce pas? Yes. Kébéla, c'est pour bon Dieu béni, c'est pour bon Dieu passer avec, c'est pour succès, réussite dans la vie, au nom de Jésus. Prononcez ça, prophétiser sur la vie. C'est pour briller au nom de Jésus. Yes. Les deux conditions pour pouvoir rentrer dans la gloire et ce jeune, avant même de développer le message, il a dit la gloire c'est synonyme de salut, la gloire c'est synonyme de paradis, la gloire c'est synonyme de ciel. Ah, ça veut dire que au lieu de dire Jésus le chemin qui mène à la gloire, m'a dit Jésus le chemin qui mène au salut. Jésus le chemin qui mène au paradis. Jésus le chemin qui mène à la félicité éternelle. Ah, ça veut dire que mes frères et sœurs, pour rentrer dans la gloire, ont besoin d'accepter Christ comme t'es tout là, puisque parmi l'autre côté pour passer, pour sauver, c'est accepter Christ comme sauveur personnel. Et tout ça, pigatoire, pas qu'à mener dans le ciel, mais c'est la vie qu'on accepte pour mener dans Christ qu'à mener dans le ciel. Et tout ça, hier soir, non seulement mon qui peut parler Jésus pour accepter Christ, mais t'es tout aussi, ou même qu'accepter Christ, ou besoin de la vie transformée. C'est pour sembler avec Jésus. C'est pour sembler à mon qui prend dans le ciel. Parce que, eh bien, les hauts, c'est un monde qui a préparé pour le retour de Christ. Nous te chantons quand tu ça, de la meilleure en ville. Jésus voulait sembler dans le langage, dans le comportement. Et chrétien, des moun parole yo ou attendez ou dit est-ce que moun sa l'évangile vrai? J'entendais moun a parlé langage vulgaire qu'il gagne. L'église là, li pa kon pasteur Daniel, li kon yon petit mouton. L'église pa kon diak yo, li kon pa ka parlé. Mais le lakay là, c'est tête chargée. Le lamache là, c'est tête chargée. Moun ki pou tou madame nan konverti se Maria. Parce que des fois, moun nan se tant missionnaire, l'église la a chanté la propre, mais le lakay pas respecte la mine. Le lakay il y a l'autre langage. Ma tou ou pas ka ki comportement ça, si vous voulez rentrer de la gloire. Ne pas se diacre, ne pas s'ancien l'église liée. Eh bien, la religion, on est quoi dans la boucherie? Mais la caille s'est maltraitée.
madame. C'est à coup de pied la prend madame. Comment faire entrer dans la gloire comme ça? Comment faire entrer dans sa rue comme ça? Faut transformer. Il y a condition pour entrer dans la gloire. Langage, langue, t'es dit ça? Dans Proverbe chapitre 18, le verset 2, langue, lui qui a construit, qui a détruit. Langue, lui qui a baillé la vie, lui qui a baillé la mort. Mais nous-mêmes qui sommes dans Jésus, langue nous doit baillé la vie, langue nous doit construire au nom de Jésus. Langue nous pas doit détruire. Langue nous pas doit baillé la mort. L'homme nous doit bailler la vie. Des paroles, des chants que nous avons parlé, des gens qui ont utilisé l'homme nous, ce n'est pas la vie, la paille, c'est la mort. Mes frères et sœurs, qui ont pile vie détruite, c'est à cause de l'homme nous, c'est à cause de paroles nous. Il y a des gens qui tombent dans le stroke, il y a des gens qui tombent dans la dépression, il y a des gens qui font AVC. Son tripotage, yo paye sous l'île, connaît l'innocent, lui connaît pas fait ça. Et puis on dit, mais ça le fait. Et puis, bah, elle a bien taillé, bah, elle a bien monté. Et puis, moi, je ne sentis pas capable encore. Lui tombé à terre. Mais tout ça, c'est le mort à paille. Ou pas qu'à rentrer dans la gloire comme ça. C'est pour changer complètement. C'est pour l'homme contrôler. C'est pour l'homme pas dire la gueule. Il y a des gens qui ont crassé des foyers. Il y a des gens, je dis à madame, tête en bas avec Marie, aussi à cause de l'homme. Il y a des gens, je dis à de l'église qui bouleversait, c'est à cause de soeur qui bouillons dans le groupe là. Et puis groupe la royale, ben diacre, et puis diacre la répondu, ben pasteur, et puis soit tombé à l'église en bouleverse. Où est-ce que l'homme qu'a fait? L'homme crasse l'église. L'homme détruit grâce. Ou pas qu'à rentrer dans la gloire sous mon langage, sous mon langue qui n'est pas contrôlé. Excusez-moi, je vais utiliser la même Bible à utiliser, je vais utiliser là. Sous mon langue vipère ou pas qu'à rentrer dans le ciel. Je vais montrer ça hier soir. Au besoin de l'autre vie. Posons cette balle ce matin. Rentrons dans la prédication de ce matin. Vous connaissez comment c'est, mes chéris? Oui. Mes frères et sœurs, ce matin, je viens vous dire, l'évangile est une course, le prix à gagner est la gloire. Amen. Amen. C'est pas ça, oui. Le prix à gagner, c'est la gloire. Ça te dit là. C'est une course. C'est une compétition. Et dans chaque compétition, il y a un trophée, il y a un prix à gagner. Et là, l'apôtre Paul, dans le verset 12, il dit, c'est que je n'ai pas encore remporté les prix. Amen à Goumé pour me remporter les prix. Mais frère et soeur, dans toute compétition, il y a des conditions, il y a des règles, il y a des garde-fous pour permettre qu'on remporte les prix. Et dans ces derniers temps, à Paris, après ces voir le monde entier, dans Jeux Olympiques, tout le monde focalisé sur Paris, tout le monde a gardé Jeux Olympiques, et m'applaudit Haïti, qui ont une équipe qui rentre à Paris, qui a représenté nous. Alors, même tout ça, même nous entendons, même sous tant de situations dures, eh bien, les athlètes nous ont sorti, eh bien, nous applaudissons, nous applaudissons, eh bien, l'équipe qui n'a jamais olympique représente Haïti. Eh bien, mais ça y est entraîné, moun ça y est, yo connaît, dans la compétition, yo pralé, il faut que yo mette yo dans la condition pour permettre de remporter des médailles. Ou pas dans la compétition, et puis on n'a pas d'objectif pour remporter des médailles. Son
sport, veut faire. On va dans le football. On va dans l'objectif pour arriver dans la finale. Pour se finaliser, son corps veut faire. Alléluia, il y a un serviteur, il y a un long serviteur,
qui pourra arriver dans l'évangile, qui pourra prendre l'évangile à cœur, qui pourra quitter pouvoir avec l'île, qui pourra quitter l'argent avec l'île, qui pourra quitter, alléluia, renommé avec l'île, mais qui ramasse près l'évangile, qui ramasse l'évangile du salut, qui ramasse l'évangile d'Akmen et mon ancien, qui ramasse, alléluia, l'évangile de sanctification, qui ramasse l'évangile de sainteté, et bien, alléluia, même si on ne peut pas connaître l'église, même si on ne peut pas quitter l'église, même si on ne peut pas quitter l'église, même si on ne peut pas quitter l'église, même si on ne peut pas connaître parler, mais puisque, alléluia, lui qu'on transformation, lui qu'on a gagné en or, lui qu'on a gagné, alléluia, que mon Dieu est mandé, lui qu'on a gagné en or, ou après transformer, ou après coller comme il dit ça, la jeter la terre, ou après tromper là, la sonner, et puis on cherche là, ou pas où elle, alléluia, ou on dit qu'on s'est jeté, ou on dit qu'on s'est délise, lui pas là encore. L'évangile, ce n'est pas une question de l'arrivée avant. Non. Amen. Yes. Parce que maintenant, ça, à l'étranger, même à la pire, toujours, mais un petit aussi, pas à l'évangile. Les nègres là, ils étaient là avant. Et comme si ils étaient la voix au chapitre. Et comme si, puisque c'est moi depuis la construction qui était là, qui a travaillé, et comme si l'église a l'église. Et l'église famille.